Néhémie, chapitre 7. Après que la muraille fut rebâtie, que j'eus mis les portes et que les portiers, les chantres et les lévites furent installés, je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, commandant de la forteresse de Jérusalem, car c'était un homme fidèle et craignant Dieu, plus que beaucoup d'autres. Et je leur dis que les portes de Jérusalem ne s'ouvrent point avant la chaleur du soleil, et pendant que les gardes seront encore là, que l'on ferme les portes et qu'on y mette les barres. Que l'on place comme garde les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, chacun devant sa maison. Or la ville était spacieuse et grande, mais le peuple peu nombreux, et les maisons n'étaient point bâties. Alors mon Dieu me mit au cœur d'assembler les principaux, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Et je trouvai le registre du dénombrement de ceux qui étaient montés la première fois. Or j'y trouvai écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité, voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité, d'entre ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun en sa ville. Qui vinrent avec Zorobabel, Jeshua, Néhémie, Azaria, Ramia, Nakamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvai, Nehum et Bana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les enfants de Parosh, 2172. Les enfants de Shephatia, 372. Les enfants d'Arak, 652. Les enfants de Pakhath Moab, des enfants de Jeshua et de Joab, 2818. Les enfants d'Élam, 1254. Les enfants de Zattu, 845. Les enfants de Zakkaï, 760. Les enfants de Binui, 648. Les enfants de Bébaï, 628. Les enfants d'Asgad, 2322. Les enfants d'Adonikam, 667. Les enfants de Bigvai, 2067. Les enfants d'Adin, 652. Les enfants d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les enfants de Hachum, 328. Les enfants de Betsaï, 324. Les enfants de Harif, 112. Les enfants de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netopha, 188. Les gens d'Anatote, 128. Les gens de Beth-Azmaveth, 42. Les gens de Kirjath-Jéarim, de Képhira et de Béhéroth, 743. Les gens de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikmas, 122. Les gens de Bethel et d'Aï, 123. Les gens de l'autre Nebo, 52. Les enfants de l'autre Élam, 1254. Les enfants de Harim, 320. Les enfants de Jéricho, 345. Les enfants de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les enfants de Shéna, 3930. Sacrificateurs, les enfants de Jedaja, de la maison de Jeshua, 973. Les enfants d'Immer, 1052. Les enfants de Pashur, 1247. Les enfants de Harim, 1017. Lévites, les enfants de Jeshua, de Kadmiel, enfants de Odeva, 74. Chantres, les enfants d'Azaph, 148. Portiers, les enfants de Shallum, les enfants d'Ater, les enfants de Talmon, les enfants d'Akub, les enfants de Hatita, les enfants de Shobai, 138. Nétiniens, les enfants de Tika, les enfants de Hasupha, les enfants de Tabaoth, les enfants de Kéros, les enfants de Sia, les enfants de Padon, les enfants de Lebana, les enfants de Agaba, les enfants de Salmaï, les enfants de Hanan, les enfants de Guidel, les enfants de Gachar, les enfants de Réajar, les enfants de Retzin, les enfants de Nekoda, les enfants de Gazam, les enfants d'Uza, les enfants de Paseak, les enfants de Bessaï, les enfants de Mehumim, les enfants de Nefishesim, les enfants de Bakuk, les enfants de Akufa, les enfants de Arhur, les enfants de Batslit, les enfants de Meïda, les enfants de Archa, les enfants de Barkos, les enfants de Sisera, les enfants de Tamak, les enfants de Netsiak, les enfants de Hatipha, enfants des serviteurs de Salomon, les enfants de Sotaï, les enfants de Sophéret, les enfants de Périda, les enfants de Jaala, les enfants de Darkon, les enfants de Guidel, les enfants de Shepatia,
les enfants de Pokéret-Hatsébaïm, les enfants d'Amon. Total des Nétiniens et des enfants des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui montèrent de Tel-Mélac, de Tel-Archa, de Kérub-Adon et d'Imer, lesquels ne purent montrer la maison de leur père, ni leur race, ni s'ils étaient d'Israël. Les enfants de Delaja, les enfants de Tobija, les enfants de Nekoda, 642. Et les sacrificateurs, les enfants de Obaja, les enfants de Kotz, les enfants de Barzilai, qui prit pour femme une des filles de Barzilai le Galadite, et qui fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur inscription parmi les généalogies, mais elle n'y fut point trouvée, et ils furent exclus de la sacrificature. Le gouverneur leur dit donc qu'ils ne mangeassent point des choses très saintes, jusqu'à ce que le sacrificateur fût là pour consulter avec l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360, sans leurs serviteurs et leurs servantes qui étaient au nombre de 7 337. Ils avaient 245 chantres ou chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Quelques-uns des chefs des pères contribuèrent pour l'ouvrage. Le gouverneur donna au trésor 1 000 darics d'or, 50 bassins, 530 tuniques de sacrificateurs. Et d'entre les chefs des pères, plusieurs donnèrent pour le trésor de l'ouvrage 20 000 darics d'or et 2 200 mines d'argent. Et ce que le reste du peuple donna fut 20 000 darics d'or, 2 000 mines d'argent et 67 tuniques de sacrificateurs. Et les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens, et tous ceux d'Israël habitèrent dans leur ville. Ainsi, quand arriva le 7e mois, les enfants d'Israël étaient dans leur ville.